Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ice Reptile. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur le problème de mue. Donc là, je vais vous présenter donc une de mes dernières acquisitions. Donc cette petite femelle Python Régis, donc Champagne. Donc comme vous pouvez le constater, donc elle m'a fait une mue en plusieurs fois. Donc on voit bien, voilà, plusieurs petits bouts de mue. Et on voit sur elle, voilà. Voilà, la mue n'est pas tout à fait enlevée. Donc ça m'est déjà arrivé. Donc je vais vous montrer une méthode, donc qui reste vraiment une méthode propre à moi, qui a bien fonctionné sur ma première femelle que j'ai eue. Et depuis, elle me fait des mues normales. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc voilà, donc là, elle est dans son bain. Donc une eau à 2 ou 3 degrés de plus que la température en terrarium. Donc vous pouvez voir, elle est très calme. On va la laisser immerger comme ça pendant une dizaine de minutes pour justement pouvoir faciliter la mue. Et on la reprendra dans 10 minutes et on va lui enlever tous les petits bouts de mue tout doucement, sans la stresser, pour que sa mue soit complète. Surtout, bien vérifier la queue. Et au niveau des yeux, c'est deux parties ultra sensibles. Donc on se retrouve Donc après voilà, donc là on a pris pour un deuxième les bain morceaux donc, de mue. sur la femelle Champagne. Parce qu'il nous restait quand même quelques morceaux, donc vous pouvez les voir là. Regardez. Vous voyez, il faut faire ça donc tout doucement. Donc le plus. Voilà. Hop. Donc tout doucement, on le laisse faire. Donc là, il y a une partie qui est partie. Donc il en reste une petite partie. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est que on va la laisser tranquillement en terra. Voilà, donc ça va partir tout seul. Elle va aller se frotter. Et on va la laisser. Et demain, normalement, tout sera parti. Donc on la remet en terra, tranquillement. Dans son terra. Hop. Et normalement, demain matin, on vérifiera, mais tout sera parti. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou vos commentaires si cette méthode ne vous convient pas. Nous, ça a très bien fonctionné comme ça. Donc maintenant, on est ouvert à plein d'autres suggestions. Donc, pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine!